et bienvenue sur ma chaîne. La factrice vient de sonner à ma porte et j'ai reçu ce colis. Donc ce colis... Ça va le chien, t'as un problème? Attendez. L'image même du chien malheureux. Attendez que je vous remette comme il faut. Hop, hop. Donc voilà. J'étais en train de vous dire que j'avais reçu un colis de la part de ma factrice. Et ce colis, c'est un colis Shein. Vous savez que je suis une grande consommatrice d'AliExpress. AliExpress, ça fait 10 ans que je commande dessus. Shein, ça fait un an que je commande dessus. C'est d'ailleurs là que j'ai commandé mon premier diamant de painting. Il n'y en a pas dans cette commande. Et par contre, j'ai toujours des soucis avec eux sur les chaussures. Et là, j'ai commandé une paire de chaussures. Donc, croisons les doigts. Nous allons vérifier ça ensemble. J'ai une paire de chaussures pour aller au boulot, pour avoir les orteils à l'air, sans être embêté. Donc, on va essayer de ne pas trop couper, parce que je crois qu'il y a aussi des fringues. Il y a un peu de tout. Ah oui, tiens, ça! Pardon, excusez-moi. Ah oui, ça! Quand j'étais gosse, il y avait une de mes copines qui avait ça. Vous savez, c'est pour faire les cercles avec les crayons. J'avais trouvé ça génial, j'en ai jamais eu. Et là, sur Shein, ils en vendent plein. Ça, je ne sais pas combien ça coûte. Tiens, d'ailleurs, je vous mettrai les prix, je vous mettrai les liens. Oui, ça va, Raphaël, je t'aime. Je vous mettrai les prix, je vous mettrai les liens, je vous mettrai tout ça. Parce que là, de tête, je ne me rappelle absolument plus combien que cela coûtait. Donc, je vous ferai des incrustations d'images. Donc, ça, c'est pour faire des petits cercles, pour faire des décos. J'avais envie de faire Mumus. Ça, alors ça, c'est mon homme qui en veut un. J'ai bousillé l'ancien parce que j'avais mis... alors, c'est un pulvérisateur pour l'huile, le vinaigre et tout ça. Ça, ça fait pas cotille. Hein. Principal, c'est que ça marche. Principal, c'est que ça marche. J'en avais un autre qui était plus joli que ça, mais le problème, c'est que j'ai bousillé la pompe parce que j'aime bien faire des huiles aromatisées. Et en fait, donc je mets de l'huile avec, par exemple, un brin de romarin ou des trucs comme ça. Et c'était passé dans le piston et ça avait tout bloqué le système intérieur. J'ai eu beau essayer de le nettoyer, ça n'a jamais voulu revenir. Donc, pour, je crois que de mémoire, c'est dans les 3 euros. Ça me va très bien. Hop, on jette les emballages. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ensuite, ça. Ça, c'est un... Ça aussi, c'est un petit délire. C'est un puzzle Tetris. Donc, vous enlevez tout et puis après, il faut le reconstituer. Un petit truc en bois. Ah oui, après, vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bout d'intelligence. Voilà, donc c'est un Tetris. C'est un Tetris en bois, un puzzle Tetris en bois. Ça m'a bien plu. Pareil, ça ne coûtait pas grand-chose dans les 2 euros à peu près, mais toujours pareil. Vous aurez le prix et vous aurez l'incrustation du site. Ensuite, ah, en plus ça je vais garder parce que je crois que j'en ai besoin pour la pour le tuto que je suis en train de vous faire. Donc on va essayer de pas l'abîmer parce qu'il me faut de la mousse et ça tombe très très bien. Raphaël est en train de détruire les emballages. Il adore ça. Voilà. Je vais récupérer mes deux blocs de mousse. Parfait. Génial. Ça, je garde. Et c'est une palette de maquillage. Bon, je ne suis pas du tout... c'est quoi ça? Bélier. Vous savez, c'est les palettes de maquillage horoscope sur Shein. Perso, je suis Verseau. Mais la palette de Verseau, c'est du bleu et le bleu ne me plaît pas du tout. Par contre, cette palette-là me plaisait énormément. Donc, j'ai pris cette palette-là qui est la palette du signe du bélier. C'est la palette bélier. Si j'arrive à l'ouvrir. Pareil, hein, ça ne coûte pas très très cher. De toute façon, c'est du Shein. Ah ben, c'est bon le carton, je vais pouvoir jeter. Donc, voilà. Ça, ce sont beaucoup plus mes couleurs. Les rouges, les violets, les prunes. C'est parce que j'ai les yeux verts et que ce sont les couleurs qui correspondent aux yeux de cette couleur-là. Oh, j'adore.
Je vais pas avoir assez de doigts. T'as les trois métalliques là, ces trois là, génial. Donc ça, c'est les trois métalliques. Ensuite, il y a celle-là, 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 celle-là. Ça, j'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Et après, je vais avoir les mains dans un état. Et après, la foncer pour faire les angles. Enfin, les angles. On n'est pas en diamant painting, ma fille. Et puis, il y a un petit mot sur le signe du bélier. Et là, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, ça fait, voilà, c'est une incrustation brillante. Et là, en trame, il y a la galaxie du bélier. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. Et donc là, ce sont les couleurs. Ils sont vraiment très, très jolies. Les métalliques me plaisent énormément. Ensuite, il reste. Ah, si, je sais. J'ai dit, j'ai quand même pas commandé des crayons papier. Non, c'est pas des crayons papier, normalement. C'est des micro-cutters. Ce sont des micro-cutters. Donc, il y en a deux. Et ça, normalement, c'est fait pour couper. Ça n'a pas l'air bien coupé ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un papier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah tiens, mon carton. Ça n'a pas l'air de couper super. Ça doit vraiment être fait pour des toutes petites découpes. Hein. J'ai pas un simple petit bout de papier. On va prendre la wooden comme support. Alors, soit je ne sais pas m'en servir, soit c'est pas hyper efficace. On verra. On continue. Ah oui, j'ai pris ça. Même si je peux le faire à la caméo, je les ai trouvés vraiment très sympathiques. Et vu le prix, je me suis dit, allez, je tente, on va voir ce que ça donne. Donc ça, normalement, c'est pour faire des scrapbooking. Et ceux-là, voilà, ce sont des cadres qui sont très très fins, qui sont vraiment très beaux. Ah, j'aurais espéré qu'ils soient un petit peu plus épais par contre. Ouh, que c'est enchevêtré. Regardez ça, comme c'est joli. Comme c'est fin. Regardez-moi ça. Ah, j'ai un bout de scotch. Regardez-moi ça. Donc ça, quand vous faites du scrapbooking ou d'autres petites choses, regardez-moi cette finesse. Magnifique. Et vous en avez plein de sortes. Et puis sur le site, hein, vous en avez encore. J'ose pas trop les démêler. Je vais les re-ranger comme ça précieusement. Voilà, vous en avez plein. Je vais les mettre de côté. Je les re-rangerai délicatement. Dernier. Oups, je vous perds. Je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Et une en carré avec des tulipes, le thème floral. Hop, hop, je vous tiens. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit peu comme j'ai fait mes boîtes ou des choses comme ça. Hop là. Suivant. Trombones, je les ai trouvés trop mimi. Ce sont des trombones en forme de notes de musique. C'est tout bête, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Mais vraiment, regardez-moi ça. C'est choupiné à souhait. Pas parce qu'ils sont tout emmêlés, mais c'est choupiné d'enfer. Regardez.
histoire d'apporter un petit peu d'originalité. J'adore. J'adore. Non, mais là, franchement, j'adore. Je kiffe. Ah, j'adore. Et là, il y en a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 quand même. Donc, pareil, je ne sais plus les prix. Je vous les mettrai en incrustation. Je vous mettrai les liens. On ne sait jamais. Alors, ça, ce sont des pochoirs. Pochoirs, je ne voulais pas les faire moi-même parce que c'est quand même assez compliqué de trouver la matière. Donc, ce sont des petits pochoirs floraux. Floraux mandala. Ah, mais il y en a tant que ça. Je croyais qu'il y en avait juste 2 ou 3, moi. Donc, vraiment très, très chouette. Pareil, quand je fais mes boîtes ou quand je fais des trucs comme ça, pour faire des fois une finition à l'intérieur. Parce que Sarthe, elle le fait bien, ça, sur sa chaîne. Voilà, les angles, là, m'intéressaient pas mal. Donc, c'est principalement des mandalas. Mais sur les mandalas, après, vous pouvez très bien récupérer qu'une partie du décor. J'adore. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je sais pas combien je les ai payés, mais... Ah, encore 2. Et tous différents. Impressionnant. Je suis ravie. Ouais, sur ce coup-là, je pensais pas qu'il y en avait autant. Même si, par exemple, chez vous, vous avez des carreaux qui sont blancs. Vous savez, maintenant qu'il existe des peintures pour repeindre vos cuisines, salles de bain et tout ça. Pour faire des espèces carreaux de ciment. Genre carreaux de ciment. Parfait. Raphaël est en train de s'éclater avec les emballages. Hop, tiens, mon chien, j'ai encore un. Ah, si, j'ai commandé un diamant de painting. Un petit marque-page. Oh, tiens, mais qu'est-ce qu'on a la mémoire courte? Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai fait la commande. C'est une honte. Oh, qu'est-ce que les chouettes. Mon chouette. Joli petit pendentif. Et il est vraiment très, très joli. Un classique, hein. Il y a la cire qui a voyagé un petit peu, mais c'est pas grave. La cire, elle s'est retrouvée... Par contre, elle est vachement foncée. Elle est belle. Voilà, elle est presque parfaite. Mais elle fera très, très bien l'affaire. Donc, stylet, barquette, cire. En plus, la quantité de cire qu'il y a là, voilà, vous en avez pour un moment. Et après, tous les petits strass. Où est-ce que ça s'ouvre, que je ne vous coupe pas trop les oreilles? Alors, le vert, le blanc, le rose, le orange, le bleu, du revers. Ah, mais le vert, là, c'était l'œil de chat. Du orange. Ce ne sont que des fastés, ce ne sont pas des ronds. Oui, non, ils sont fastés. Celui-là aussi est vachement chouette. J'adore. Je vais prendre un grand, grand plaisir à faire cette petite chouette. Donc, je ne sais pas si tout à l'heure c'était bon, mais barquette, cire, stylet. Donc, la cire a un peu souffert, mais par contre, elle est de bonne qualité. Et ces superbes petits cabochons pour mettre là-haut. Magnifique. C'est quand même commander un diamant de painting, c'est pas possible ça. Je peux pas faire une commande sans commander des diamants de painting, c'est une honte. Ensuite, ce sont des fringues. Donc, c'est des fringues qui étaient en promo. Donc, si elles le sont encore, je vous les montrerai en incrustation. Si elles le sont plus, et eh ben écoutez. Allez, numéro 1, pantalon. Oh, ça pour aller au boulot, ça va être top. Pantalon tout mou, matière un petit peu élastane. C'est pas coton, c'est pas ce synthétique, la maillot de bain. Une très jolie impression. C'est du collé, c'est du thermocollé. Ça, c'est pas de la broderie, c'est pas de l'impression, c'est du thermocollé. J'adore. Regardez-moi ça. Donc ça. Taille élastique, nickel. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? S. Ouais, je pense que ça va le faire.
et un petit peu pâte d'eff, parce que moi j'adore tout ce qui est un petit peu pâte d'eff. Alors, pas parce que ce sont mes années, mais parce que je trouve que ça va à ma morphologie. J'adore ce pantalon, il est superbe, il est souple pour aller bosser, ça va être génial. Ensuite, ça. Oh, c'est satiné ça. C'est satiné. Satiné. Alors, bon, je vous montrerai la Menka, parce que déjà, moi, je ne ferai pas d'essayage, ça c'est certain. Et puis, pour vous montrer comment ça se porte. Donc, ça, c'est un petit haut avec un gros dos nu, un peu élastique pour serrer. Après, donc, vous avez une grande lanière. Donc, pour accrocher dans le dos, pour laisser pendouiller, un petit nœud, vous laissez pendouiller. J'adore. Il ne sera pas trop court. Parce que je suis pas très grande. Donc, ce qui est court pour les grandes est quand même un peu plus long pour moi. Par contre, c'est un truc qui aura besoin d'être repassé. Moi qui n'aime pas repasser. Mais très joli, très fluide, très sympa. Très sympathique. Ça, pour bosser cet été, ça va être d'enfer. J'adore. J'aime la matière, j'aime... Ah oui, je me suis repris aussi une flopée parce qu'il y avait des grosses promos. Ben voilà la matière que j'aime. Matière coton. Donc, c'est un legging. Legging sur lequel il y a marqué « Love ». Donc, pareil, c'est du... Oh là, c'est marrant. On dirait un simili-cuir thermocollé. Ah, alors, ça fait coton. Ça fait aspect coton. Avec les lettres en aspect simili-cuir thermocollé. Et après, c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse, c'est pareil. Sauf que c'est blanc et que le love, enfin le VE, est en simili-cuir. J'adore. J'ai dû prendre du M. 36. Pourtant, il a l'air d'être à la bonne taille. Je suis hyper complexée par le bas de mon corps. J'ai perdu 15 kilos il y a quelques années de ça en arrière. Par contre, je me vois toujours bibindome. Et pour moi, le bas de mon corps est obèse. Mais ça a l'air d'aller. C'est pour ça que souvent je prends trop grand parce que je me vois toujours... Par contre, les finitions, on va brûler. Finition à revoir. Sinon, legging, j'adore. Ça, pareil, pour bosser et faire du vélo, j'adore. Ah ouais, non, mais en taille, c'est bon. Hein. C'est en hanche que ça risque de pas passer. Oh si. Allez. Il n'y aura plus qu'à essayer. Ensuite... J'ai pris un petit pull. Et oui, c'était soldé. Donc, j'ai pris. C'est la matière que j'adore. J'ai pris un body dans cette matière-là. J'adore. Vous voyez, c'est quand même transparent. Et il est à épaule dénudée. Taille 38. Ouais, je pense que je rentre largement dedans. Voilà, petite épaule dénudée. Taille 38. Non, bien. J'adore la matière, j'adore la forme, j'adore la coupe, pas trop court, nickel. Je les essayerai, puis je vous dirai si j'ai apprécié ou pas. La dernière fringue, je pense que ça doit être un legging, il me semble que j'en avais pris deux. Ouais, c'est ça. Oh, putain, j'ai pris bleu. Waouh. Putain, on va me voir défiler. C'est quoi ça? Have a nice day. Ah, oh, bah, nickel. Exactement ce qu'il me faut. Donc celui-là, si j'avais le choix, voilà, il paraît bien grand. J'ai dû le prendre en M, ouais, en 38. Il me paraît bien grand. Et ben, je serai au large. Par contre, c'est la matière, c'est pas la matière coton comme l'autre, c'est la matière maillot de bain. Voilà, une matière un peu maillot de bain fine, très fin. Donc il va pas me tenir chaud cet été, ça va être parfait. Par contre, l'écriture est très très belle sur le côté. Have a nice day. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les essayages. Comme là, ça caille un peu, je vais attendre. Ah non! J'ai encore celui qui me faisait le plus peur. Tadam, les chaussures. Jusqu'à maintenant, les chaussures sont quasiment toujours parties en retour. What, putain, flashy! Je croyais qu'elles étaient crème.
Bon, c'est pour aller au boulot, hein. Donc, on va pas non plus... Waouh! Oh putain, je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'elles étaient crème, je croyais pas qu'elles étaient dorées. Ah là, elles sont élastiques, c'est bon. Là, j'ai dit, mince, c'est de la... Parce que je veux un truc qui se mette facile. Oh, qu'est-ce que ça fait kitsch? Ah, ça fait kitschissime, hein. Ça fait plastique et compagnie. Je sais plus combien je les ai payés, mais ça fait vraiment plastoc, hein. Pousse-toi, Rafale. Oh, est-ce que je vais rentrer dedans? Alors, que je vous fasse rigoler. Alors, bon, pour l'instant, regardez les chaussures. Chaussures, ça va, c'est un peu trop large, mais ça ira pour aller au boulot. Oh, ça va le faire. Par contre, elles sont larges, hein. Elles sont vraiment larges. Je me demande si ma machine n'arriverait pas à repiquer, là, pour les resserrer. Pouf! Je pense que je vais me bidouiller un truc, je vais me les resserrer. Ouais, je vais me les bidouiller. Là, je vais faire... Alors, soit je mets des œillets et je resserre avec une lanière. Mais il va falloir que je les resserre. Donc, prenez plus petit que votre pointure. Moi, j'ai pris ma pointure. Prenez une taille en dessous. J'ai pris du 37. J'aurais dû prendre du 36. Mais mes pieds aussi, entre 36 et 37. Bon, je récupère ma pantoufle. Et ensuite, je vous montre le carrelage. Donc, mon haul Shein à moi est terminé. J'ai fini de déballer. Tout va bien. Par contre, derrière moi, là, vous avez le monstre. Hein, quel est gentil, le monstre? Bon, que t'as fait? Et là, voilà, lui, il a fini de déballer les colis. Donc, il est heureux. Il m'en a foutu de partout. Et il est content, le chacha. Il est content, la bébête. C'est une crapule. Alors voilà le fauve. Alors j'ai le fil parce que j'ai plus de batterie. Voilà le fauve. Hop, je l'enlève quand même. Voilà le fauve dans ses œuvres. Ça va, Rafale, t'es content? Un bébé. Et ça y est, il est mort. Il a déballé son colis, il est crevé. Coucou. Vous voulez qu'il réagisse? Vous allez voir. Radical. Donc voilà, ben maintenant maman fait ménage. Hein. Maman ménage. Hein. Et voilà, c'est sur ce déballage Shein que ma vidéo se termine. Que je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos loisirs créatifs, vos achats, vos machins, tout ce qui vous fait plaisir. Et sur cette petite bouille d'amour, je vous dis de penser à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Tu dis bye bye? Arrête.